Bon, alors pour la dernière présentation de la journée, je vais vous parler des nouveautés de Pearl 5.22. Alors pour un petit rappel, comme toujours, en fait c'est principalement un condensé de Pearl Delta qui est relativement gros comme assez régulièrement. Je vais plutôt seulement parler des changements qui m'ont paru les plus intéressants pour des utilisateurs, on va dire, un peu normaux de Perl. Il y a beaucoup de choses à lire par à côté dans le Delta, ils sont très très complets. Un petit rappel, donc les cycles de publication de Perl, maintenant c'est une version par an qui est publiée en fait généralement vers mai-juin. Il y a ensuite des versions mineures tous les 2, 3, 4 mois s'ils sont un petit peu en retard. Et donc ça fait qu'il y a maintenant un cycle de dépréciation beaucoup plus court des différentes fonctionnalités ou des modules, avec un avertissement pendant une ou deux versions majeures, et une suppression effective, la version majeure suivante. Et généralement, les modules qui sont retirés sont envoyés, enfin toujours les modules qui sont retirés sont envoyés sur le CPAN, même dans certains cas, certaines fonctionnalités sont envoyées sur le CPAN. Petit rappel des versions majeures précédentes, la 5.12 en 2010, la 5.14 en 2011, la 5.16 en 2012, la 5.18 en 2013. Donc la 5.14 n'était plus officiellement supportée. Rappel des principales nouveautés, il y avait le refonte des hash, une grosse refonte des hash avec l'histoire de la sécurisation de l'ordre des clés, les fonctions lexicales, donc on peut écrire des trucs comme mysubfunc, les opérations sur les ensembles de classes. Ça permet en fait de construire des cases de manière beaucoup plus avancée. Les avertissements sur les fonctionnalités expérimentales, c'est-à-dire tout un tas de fonctionnalités qui sont introduites au fur et à mesure dans Perl, maintenant sont classées comme étant expérimentales et produisent une nouvelle classe d'avertissement dans la catégorie expérimentale qu'il faut désactiver de manière explicite. Et un nouveau mécanisme de copy and write a été expérimenté en 5.18 et ensuite il a été activé par défaut dans la version suivante, la 5.20, sortie donc l'an dernier en 2014. 5.16 n'est donc plus officiellement supporté, n'était plus supporté à sa sortie. Rappel des principales nouveautés, moins grande, enfin, il y a un gros chantier qui était le support des signatures de fonction, les du référence POF fixé, bon, peut-être une syntaxe un petit peu bizarre, les tranches de hash, donc moins de, on va dire, de gros trucs importants. Là, celle qui sort, donc, elle est sortie il y a très peu de temps, elle est sortie en début du mois, le 1er juin. 5.18 donc n'est plus officiellement supportée par le site, donc vous savez, voilà, 2 ans avant, donc ce n'est plus supporté. La 5.22 sortira probablement vers septembre 2015 et la 0.2 probablement vers février. Un petit résumé très rapide de ce que vous allez voir ici. Donc il n'y a finalement pas des masses, enfin il n'y a pas vraiment de grosses fonctionnalités fournies par cette nouvelle version, mais beaucoup plutôt de petites nouveautés qui sont proposées. Beaucoup de dépréciations en fait qui finalement arrivent à terme et donc qui maintenant sont des erreurs fatales. Et aussi de nouvelles dépréciations, et évidemment une énorme quantité de correctifs, d'optimisations. Je vais juste montrer quelques-uns. Là, si vous voulez les détails, encore une fois, vous n'avez pas le Delta le complet, mais quand on voit le détail, dans certains cas, on se dit, mais les erreurs sont pas forcément, enfin les correctifs, ce n'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. Première petite fonctionnalité nouvelle, donc c'est Bitwise. En fait, on a des nouveaux opérateurs de travail sur les bits. Donc il faut utiliser la macro, enfin la pragma plutôt expérimentale. Donc cette pragma, pour rappel, a été introduite dans la version précédente de Perl. Ça permet de faire un use feature et de désactiver les avertissements qui sont générés justement sur cette fonctionnalité. Donc quand c'est possible, il vaut mieux l'utiliser. Donc use expérimental est le nom de la fonctionnalité. Ce expérimental, pour rappel, c'est un module pure Perl disponible aussi sur le CPAN, hein. Donc cette fonctionnalité, en fait, on connaissait déjà les opérateurs de bits, donc ampersand, pipe, caret, tilde, pour travailler sur des bits ou sur des chaînes qu'on considère finalement comme des grands ensembles de bits. Le truc, c'est que on pouvait mélanger un peu des valeurs numériques et des chaînes, ce qui pouvait provoquer en certains cas un peu des choses bizarres. Maintenant, en fait, quand on est sous Experimental Bitwise, les opérateurs classiques ne conservent leurs valeurs que comme des valeurs numériques, finalement comme plus égal égal ou l'opérateur spaceship. Et on a des nouveaux opérateurs, donc avec à chaque fois les mêmes avec un point à la fin, qui maintenant ne traitent leurs opérandes que comme des chaînes, si on prend des équivalents comme point, EQ ou comme CMP. Pour donner un petit exemple, donc ça, si on est en normal, sans cette fonctionnalité, donc si on fait des ORs de bits entre,
Par exemple, donc les verres numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça fait un or comme ça, ça donne 507. Sur des verres de chaîne, bon, ça donne toujours des choses un peu bizarres, mais donc par exemple, le ABC avec des cases différentes, ça donne ABC en minuscule. Et dans ce cas-ci, en fait, l'opérateur bit, finalement, va considérer. Il va prendre ici ça comme étant une valeur numérique, donc ça va être 0. Donc finalement, ici, il va prendre. Il va faire 1, 2, 3, pipe 0, donc ça va donner, ça va donner 123. Maintenant, le truc, c'est que si on est en bitwise, si on fait, donc on reprend le truc de tout à l'heure, ABC, pipe ABC, comme là le pipe il est numérique, bah, ça veut dire c'est 0 pipe 0, donc ça fait 0. Il faut mettre maintenant le point pour dire on veut l'opération en tant que chaîne. Et donc là, on trouve bien le même truc que tout à l'heure. Officiellement, dans la documentation, ils disent que c'est pas vraiment tout à fait censé marcher avec des chaînes Unicode. Bon, moi, j'ai fait des essais. En tout cas, c'est là de marcher. Enfin, en tout cas, si on fait des opérations sur des chaînes Unicode qui sont pas sur la même taille, on a des choses qui ont l'air d'être censées. Après, jusqu'à quel point, je ne suis pas allé vérifier, mais ça a l'air de vaguement fonctionner. Oui, Marc ? À quoi ça sert ? Mais ça sert tout simplement... Ça peut servir à faire des opérations sur des grandes quantités de bits. Une chaîne, ça peut être ça. Finalement, c'est une chaîne avec une grande quantité de bits. Et tu veux travailler sur beaucoup de bits d'un coup. Moi, personnellement, j'en fais pas. Donc là, comme ça, je ne saurais pas donner un exemple concret. Mais je pense qu'il y a des gens qui utilisent ça. Là comme ça, voilà, je peux pas t'en donner, mais ça doit avoir une application. Ensuite, donc voilà, dans les autres nouvelles fonctionnalités, donc tu en avais un peu parlé justement, donc le double diamant, donc il fonctionne comme l'opérateur diamant classique, sauf que il va utiliser l'open à trois arguments, ce qui fait que si on avait un pipe dans la liste des arguments, ben, il ne sera plus interprété comme étant une ouverture sur un programme. C'est un peu une petite fonctionnalité de sécurité. On a donc dans l'expression Angular, on a pas mal de nouvelles choses. On a une nouvelle frontière, enfin plusieurs nouvelles frontières de mots. Donc anti-slash B, bon ça vous connaissez, c'est la frontière de mots qui intervient entre un anti-slash W et un anti-slash grand W, c'est-à-dire un anti-slash S. Enfin pas tout à fait, mais pas loin. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui intervient entre un caractère de mot et un caractère de non-mot. Ou un non-caractère de mot, parce que ça peut être aussi sur les bords de la chaîne sur laquelle on travaille. En fait, ils ont implanté les nouvelles frontières qui existent dans les extensions Unicode, donc dans les annexes Unicode, donc c'est UAX 29. Alors la première, c'est donc anti-slash B, alors ça à chaque fois ça va être accolade et la description, donc ici c'est GCB ou G ou G, qui est le Grapheme Cluster Boundary, donc qui intervient entre deux anti-slash grand X. Rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un anti-slash grand X ? C'est tout simplement un graphème cluster, ou en français un groupe de graphèmes. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un graphème ? Vous allez dire, parce que, ou un groupe de graphèmes, parce qu'évidemment, c'est pas forcément évident si on n'est pas spécialisé dans Unicode. En fait, c'est ce qui, pour le commun des mortels, correspondrait à ce qui ressemble graphiquement à un caractère. Pour rappel, si vous avez quelque chose comme E accent aigu, nous ça nous paraît comme étant un seul caractère, mais dans Unicode c'est défini comme étant la combinaison de deux caractères qui sont le E et l'accent aigu. Donc le E accent aigu constitue un graphème, ça apparaît comme étant un seul caractère, mais c'est une combinaison de deux. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est que ça permet de dire que par exemple E accent aigu cédille, ce qui pour nous paraît complètement délirant, mais en Unicode c'est parfaitement possible et ça peut s'utiliser. Ça va être aussi un graphème, ça va être la combinaison du E, de l'accent aigu et de la cédille. Donc, anti-slash grand X permet justement de chercher, de correspondre à un caractère, enfin au sens plutôt un graphème, donc c'est-à-dire un caractère et ses diacritiques combinés. Donc, cette nouvelle frontière intervient entre deux graphèmes. Un qui est assez intéressant, donc c'est anti-slash B, WB comme word boundary, donc comme une frontière de mots. Donc c'est un petit peu comme l'anti-slash B classique, sauf que c'est un petit peu plus malin, vous allez voir dans l'exemple. Le troisième, alors c'est anti-slash BSB comme sentence boundary. C'est documenté, sauf que en pratique, j'ai pas l'impression que ça marche.
Dans mes tests, ça marche pas. Et j'ai vu, en fait, il n'y a aucun test dans la distribution actuelle de Perl. Donc, j'ai l'impression que vu d'ici, ça n'a pas l'air de marcher. En tout cas, celui-là, vous allez voir, par contre, il est très intéressant. Donc, si on prend une phrase et on fait un truc assez classique, on va séparer sur les frontières de mots et on va rejoindre ça par un pipe pour voir justement comment est-ce que ça nous sépare. Sans surprise, donc ça nous fait une séparation sur tout ce qui est les antislash W. Donc, ici, ça sépare. Ici, forcément, on a un D en apostrophe, ça, c'est pas un caractère de mot dans cette définition, et donc il nous fait une séparation. Ici, pareil. Si maintenant on fait avec le word boundary, il est un petit peu plus malin. Et en fait, il dit, oui, mais attention, un mot, finalement, ça peut contenir des choses comme une apostrophe. Et donc maintenant, d'une ici, ça devient un seul mot. Ce qui, en termes linguistiques, a plus de sens. Idem ici pour la version qui n'est plus séparée en plusieurs mots, mais devient un seul mot. Donc c'est évidemment, c'est pas parfait, mais c'est assez intéressant pour faire des traitements linguistiques. Mais évidemment, il faut que le texte en fait soit un peu préparé à l'avance pour cela. Mais ça permet justement de faire des. C'est vraiment, ce sont des choses conçues dans les annexes Unicode pour faciliter le traitement linguistique. Pardon, la définition? Oui, la question c'est est-ce que c'est normé? Oui, toujours. Comme je l'ai précisé un peu avant, hop, c'est là. Tout vient de là. Tout étant l'annexe Unicode 29, c'est parfaitement documenté. Ce n'est pas du tout des inventions de Perl. Ce ne sont jamais que des implémentations des standards définis dans Unicode et dans l'équivalent ISO. Donc il y a même en fait une quatrième frontière qui est line break. Qui n'est pas implémenté inactivement en Perl, mais il y a un module Perl disponible sur le CPAN, Unicode Line Break, qui permet de faire ça. Donc tout ça, c'est complètement normé. Donc après encore dans les expressions régulières, un truc assez sympa, c'est l'option de non-capture slash n. Donc en fait, c'est équivalent à ajouter deux points d'interrogation, deux points, en début de chaque groupe. Ce qui fait que quand on écrit une expression régulière avec des parenthèses, donc des groupes qui normalement devraient être capturants, si on ajoute slash n, ils ne seront plus capturants. Donc ici, si on rajoute un groupe et qu'on met un slash n, ben en fait, on n'a plus de dollar. Hein. Ce groupe-là n'est plus capturant. Alors il faut noter que finalement, ce mécanisme peut se désactiver très facilement si on en a besoin, un peu à la demande. Dès qu'on utilise par exemple une capture nommée, en fait, le groupe redevient capturant. Là maintenant, à la fois dollar 1 et dollar plus greet, contiennent la capture. Et on peut évidemment le désactiver, comme toujours, comme c'est un flag, on peut le désactiver de manière locale à un groupe, en faisant donc le groupe en disant, on va dire, on désactive le n pour que on puisse refaire un groupe capturant, et donc il faut refaire maintenant un groupe capturant là-dedans. Et là, ce groupe-là est à nouveau capturant, alors que le reste de l'expression régulière sera entièrement non capturante. Truc très intéressant, un mode strict pour les expressions régulières, qui quelque part finalement sont un langage dans le langage, c'est un langage en tant que tel, mais il lui manquait son mode strict. Et bien maintenant, c'est le début d'une implémentation d'un useStrict pour ces expressions régulières. Alors, il faut, comme d'autres trucs, le faire précéder d'un no warnings expérimental strict. Malheureusement, on ne peut pas utiliser un use expérimental plus court, mais bon. Ça permet comme de tester, de trouver des erreurs qui ne sont pas forcément simples à trouver. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Alors, quelques petits exemples. Alors voilà, si on a par exemple anti-slash x abc, en temps normal, ben, on n'aura aucun message. Si on utilise le mode strict, on aura une erreur fatale qui dira use strict accolade for more than two x characters. C'est-à-dire qu'en fait, comme ici, on a mis anti-slash x, on a mis trois caractères et que ça ressemble à de l'hexadécimal, Pauline dit, oui, mais attendez, normalement, si vous voulez mettre un anti-slash x, il y a des caractères hexadécimaux, vous n'en avez droit qu'à deux. Si vous voulez mettre plus, il faut impérativement mettre des accolades. Il faut que ce soit anti-slash x et des accolades. Ici, donc, il dit, attention, là, vous avez voulu mettre des caractères hexa, il y en a trois, ça ne va pas. Donc là, soit on encadre le AB, soit on considère que c'est ABC, à ce moment-là, il faut de toute façon mettre les accolades. Un exemple aussi assez intéressant, c'est si on met anti-slash x, A et G. Alors auparavant, en fait, c'était un avertissement qui disait illégal hexadécimal des G ignored. C'est-à-dire que là, il disait, ouais, mais attendez, là, on a l'impression qu'on a deux caractères hexadécimaux
Et le, sauf que le G, ce n'est pas un caractère hexadécimal, ce n'est pas du tout valide. Et donc, il disait, bon, en fait, c'est peut-être juste un truc, on ignore, on avertit juste. Maintenant, ça va être une erreur fatale, qui dit, bah, vous avez passé un caractère non hexadécimal, donc ce n'est pas valide. Et un exemple encore plus intéressant, c'est si vous utilisez une classe POSIX comme ASCII, mais vous oubliez de mettre un 2 points. C'est très facile d'oublier de mettre un 2 points. En temps normal, vous n'avez aucun message, tout simplement parce que la classe est interprétée comme étant celle-ci. En fait, c'est même plus drôle, c'est que la classe, elle est interprétée comme ça, ça se ferme au premier crochet fermant, et ensuite c'est suivi d'un crochet fermant littéral. Donc, il n'y a aucune erreur, parce que, en mode non strict, c'est interprété de cette manière. Si on active le mode strict, cette fois-ci, il va dire, ouais, mais en fait, ça ressemble quand même très fortement à une classe POSIX, donc erreur. Donc, ça peut être vraiment un mode extrêmement intéressant pour débugger des expressions. On se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est pas possible. Mais en fait, ça peut être simplement des erreurs très bêtes. Et ça, ça peut vraiment énormément aider à trouver les trucs. Alors, ça ne teste pas encore des myriades de cas. Mais il y en a quand même déjà, je ne sais plus, quelque chose comme peut-être une quarantaine qui sont couverts. Donc, ça va probablement augmenter au fur et à mesure. Dans les nouveautés de Perl, évidemment, il y a comme toujours Unicode. À chaque fois qu'on a une mise à jour de Perl, généralement, ça se met à jour avec la version de Unicode. Cette fois-ci, c'est Unicode 7.0, plus deux correctifs qui sont liés en fait à deux caractères arabes qui sont dans des nouvelles formes de combinaisons, mais ça a été mal publié dans la révision de base, donc il y a eu un errata derrière. Alors comme souvent, Unicode, c'est assez, on va dire, un peu folklorique, c'est assez un peu des choses pas toujours très simples. Donc il y a par exemple 2834 caractères qui ont été ajoutés et 23 scripts. Alors ce sont des scripts qui sont très curieux, qui sont, correspondent soit à des écritures plus usitées ou à des systèmes de notation utilisant des cas assez particuliers. On peut noter quand même deux choses qui sont peut-être plus concrètes, qui sont les symboles monétaires, le manat de l'Azerbaïdjan et le rouble russe, jusqu'à présent n'étaient pas présents dans Unicode. Ça peut être un peu surprenant, mais c'était comme ça. Et on a 502 symboles type pictographiques, dont quelque chose comme 148 types de flèches et 238 emojis, et ainsi qu'une vingtaine de cartes à jouer. C'est très très drôle. Unicode, c'est absolument amusant là-dedans. Si vous voulez voir les symboles, j'ai les PDF ici, ils sont très amusants. Les emojis, ce sont des caractères qui ont été ajoutés à partir d'Unicode 6.0, qui correspondent en fait à des images. Emoji, en fait, ça vient du japonais. Ce sont en fait des images qui ont été utilisées par les opérateurs téléphoniques japonais. Et ils ont standardisé ça. Ça sert par exemple à dire le temps. Donc il y a soleil, nuages, pluie, foudre, neige. Il y a aussi des choses comme des gens qui sourient, des chats qui sourient, des chiens qui sourient. Il y a des voitures, des sushis. Il y a un peu de tout. Des maisons, des industries, des voitures, des motos, des bateaux, des avions. C'est une espèce de fourre-tout. Et en fait, tout ça, ça a été normalisé dans Unicode parce qu'en fait, ils s'en servent dans leur téléphone. Donc, pour simplifier un peu les choses, ça a été normalisé dans Unicode. Et donc, il y a régulièrement de nouveaux emojis qui apparaissent, dont certains qui sont très amusants, comme le fameux pile of poo, le petit caca, qui est un emoji extrêmement célèbre depuis qu'il est arrivé. Et donc, on a régulièrement énormément d'emojis. On a aussi, donc justement, on a tout un tas de cartes à jouer. Donc, toutes les cartes à jouer de normal, plus celle du tarot, c'est assez extraordinaire. Donc il y a aussi des choses quand même plus sérieuses dans cette nouvelle version de Unicode, comme une mise à jour de l'algorithme BD. BD, pour rappel, c'est bidirectionnel, c'est le fait de pouvoir gérer les écritures comme l'arabe ou l'hébreu qui se lisent donc à l'inverse de nous, donc de droite à gauche, pardon. Il y a aussi alors des choses qui ne sont pas forcément très bien explicitées, comme des clarifications sur les politiques de casse ou de stabilité politique numérique. Ça veut dire en fait, c'est pas très bien explicité dans le résumé Unicode. Il faut lire le truc complet pour ça. Je reconnais, j'ai pas eu le courage encore. Ça, c'est très certainement en fait pour savoir la définition de ce qu'on considère comme étant un chiffre. Il faut savoir qu'il n'y a pas que les chiffres
arabes de 0 à 9, il y a aussi les chiffres correspondants dans les caractères hébreux, dans les caractères russes, dans énormément de types d'écriture. Donc il y en a bien plus que ça. Et donc il y a des besoins de savoir dire qu'est-ce qui est ou pas un chiffre et donc comment est-ce qu'on peut ou pas constituer des nombres. Les politiques de classe, je pense, ça doit peut-être aussi faire suite aux évolutions qu'il y a eu dans une précédente révision du code, qui était que, par exemple, certains caractères, soit ont plusieurs classes, soit n'en ont pas, soit on avait un problème, c'était que sur l'ETC allemand, pendant longtemps, il fallait qu'un caractère en devienne de l'ETC, sa majuscule était pendant très longtemps officiellement le WS, ce qui posait des tas de problèmes en termes de gestion, donc c'est un truc d'ailleurs de la précédente version de Perl. Encore les nouvelles nouveautés, alors il y a la locale, maintenant use local en fait accepte des arguments qui permettent en fait de contrôler précisément sur quel type de champ vous voulez qu'elle intervienne ou pas. Donc par exemple que ça n'intervienne que sur la partie numérique, que sur les messages d'erreur, sur le temps, etc. On verra un peu plus loin d'ailleurs des choses concernant les messages d'erreur. Il y a aussi la fonction localconv de POSIX qui renvoie des tas de champs supplémentaires qui sont liés à la norme POSIX 1-2008. En gros, ça permet d'avoir des informations supplémentaires sur comment afficher correctement les champs quand la locale est active. Alors, une fonctionnalité assez bizarre qui est le ref aliasing. En fait, plus précisément, c'est l'assignation par référence. Alors attention, il va falloir s'accrocher. Alors déjà, pour l'utiliser, use experimental ref alias. Alors, ça ressemble en fait à des choses qu'on fait depuis très longtemps en Perl, à savoir de jouer avec des alias et des références. Sauf que s'ils sont allés plus loin. Alors, on va commencer par les choses les plus simples. On construit une fonction, on peut lui donner un nom. On fait donc, par exemple, une fonction qu'on appelle foo. Et on va en fait faire ici, donc, assigner à la référence bar, la fonction foo. Ça, on le faisait finalement déjà en Perl depuis très longtemps, mais au lieu d'écrire ici anti-slash en percent bar, on faisait simplement étoile. Sauf qu'en fait, quand on faisait ça, on manipulait le type glob bar. Maintenant, la différence, c'est qu'en fait, on peut faire ça, non pas seulement sur des type glob, mais sur des variables lexicales. Donc, on peut travailler sur un peu tout ce qu'on veut. Et donc, comme on peut s'y attendre, en fait, quand maintenant on appelle bar, ça va exécuter ce corps de fonction-là, ce qui est réellement finalement la fonction foo, donc ça va afficher foo. Là encore, bon, finalement, on reste dans du relativement connu, mais c'est à peu près simple. Oui, Marc ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut passer un nom symbolique si on n'est pas en strict ? Je n'ai pas essayé, mais en fait, ce n'est pas vraiment le problème, parce que là, on travaille vraiment qu'avec des références. Là, ce dont tu parles, ce serait par rapport à des symboles, et finalement, l'histoire de symboles, c'est vraiment lié à la table des symboles, donc quelque part, c'est orthogonal. Là, tout ce que j'ai montré, ce sont des questions qui ont travaillé sur des références. Là, ça ressemble en fait, en apparence, à de l'aliasing, mais justement, ce n'est pas de l'aliasing, ce n'est que du travail sur des références. Si j'étais assez clair. Si j'ai été assez clair. Voilà. Là ? Je n'ai pas essayé. Écoute, si tu veux tout à l'heure, comme ça, ce sont. Tu sais, je prépare malgré tout ces présentations. J'ai testé tout ce code-là. Si tu veux tout à l'heure, on pourra tester ce code-là si on enlève les parenthèses. Je pense que ça se trouve, continue à fonctionner de manière habituelle. Et donc, que peut-être sans parenthèses, ça doit marcher. On peut vérifier. Je n'ai pas testé, ça pense. J'ai plutôt l'habitude de mettre les parenthèses. Mais il y a des chances que ça continue de marcher de manière assez habituelle. Encore une fois, là, en fait, ça va vraiment être un énorme travail sur des références. C'est avec, en fait, les scalaires, les tableaux, que ça va devenir beaucoup plus bizarre. Alors, justement, sur les scalaires. Donc, si on affecte, par exemple, une valeur à une variable $V, et on fait une variable X, et en fait, on va copier $V. On va affecter, justement, c'est assez bizarre à expliquer, on va affecter la référence de $V à la référence de $X.
Si maintenant on incrémente de larvée et x valent toutes les deux 13. C'est-à-dire, en fait, on a bel et bien lié, on a fait un genre d'alias sur ces variables, sauf que ce sont toutes les deux des variables maille. Avant, ce genre de choses, on ne les faisait que sur des variables globales, que sur des choses qui étaient dans la table des symboles. Maintenant, on fait ça sur des variables lexicales. Donc, c'est là où ça commence à devenir assez intéressant. On a réellement créé, finalement, un aliasing entre ces deux variables. Donc, elles pointent toutes les deux sur la même valeur, alors que c'est que du lexical. C'est le fait qu'on a ici fait backslash my dollar égale backslash dollar. Et attention, il va y avoir... Je n'ai pas anticipé. Sur les tableaux et les haches, c'est pareil. C'est-à-dire, un point très important, en fait, c'est que il faut que de chaque côté de la destination, on ait la même chose. Au sens, ici, on a une référence scalaire. Là, on a une référence scalaire. Là, on a une référence de tableau. Là, on doit avoir une référence de tableau. Là, on a une référence de hash. Ici, on doit avoir une référence de hash. Donc là, dans anti-slash, dans arrobas A, on met les valeurs 1 à 3. Dans ce hash, on met val pointe vers 1, 2, 3. Quelque part, là, pour moi, ça reste encore un peu simple. Maintenant, ça va devenir un tout petit peu plus sophistiqué parce qu'on va introduire des parenthèses. Alors, non, pardon, d'abord, il va y avoir les tableaux. Si on assigne un tableau à un autre et que on modifie donc B, comme tout à l'heure, tous les deux tableaux contiennent maintenant quatre valeurs. Si maintenant, au lieu de faire une affectation directe de anti-slash de l'un égale anti-slash de l'autre, on rajoute des parenthèses. Maintenant, cette espèce d'affectation par référence se fait en fait par valeur. C'est-à-dire que si maintenant on modifie B, A vaut toujours 1, 2, 3, et par contre B, lui, vaut 1, 2, 3, 4. Donc il y a eu une affectation par référence à l'origine, mais avec par contre cette fois-ci une copie de valeur, et ensuite quand on modifie l'un, ça ne modifie pas l'autre. Donc dans ce cas-ci, en fait, on revient à quelque chose peut-être de plus, entre guillemets, simple, on se contente de copier les valeurs, mais on fait ça par un genre de référence. Tandis que dans l'autre cas, on a réellement créé, dans le cas précédent, un alias entre les deux variables. Si là. Globalement, oui. Sauf que tu peux. C'est que là, je n'ai pas donné cet exemple-là, mais. Sauf que tu peux t'amuser à mettre plusieurs valeurs ici. Tu peux t'amuser à mettre plusieurs choses. C'est vrai que je n'ai pas fait un troisième exemple avec plusieurs valeurs de chaque côté. Et donc, c'est là où ça peut commencer à devenir assez intéressant. Mais par contre, il faut que tu aies le même nombre, évidemment. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié finalement la troisième partie. Il faut évidemment qu'il y ait, quand on passe comme ça avec des parenthèses, il faut qu'il y ait le même nombre évidemment de, on va dire, de choses côté gauche que côté droit, et il faut que ce soit du même type. Oui ? Donc la question c'est, est-ce que ici la variable finalement vit sa vie? Oui, ici en fait, il y a une copie des valeurs de A dans B, mais il n'y a pas eu de création d'un lien, d'un alias entre B et A. Alors que ici c'est le cas. Ici on a vraiment fait en sorte que on a finalement deux étiquettes qui pointent vers la même zone mémoire. Là, on a bel et bien deux zones mémoire différentes. Je n'ai pas fait le test, mais oui, très certainement. Je n'ai pas non plus fait ce test-là. Donc la question, c'est est-ce que si on fait un ref de B et de A, on aura des valeurs différentes? Ici, ce sera très certainement des valeurs différentes. Là, je n'ai pas fait le test. Si vous voulez, on pourra le faire tout à l'heure. Je ne saurais pas répondre.
À mon avis, il y aura deux. Non, je pense que, connaissant un tout petit peu, mais pas beaucoup, les internes de Perl, ce seront deux références différentes. Parce qu'en fait, le fonctionnement des internes de Perl, des variables en fait en Perl, c'est que c'est constitué en fait d'un en-tête et d'un corps. L'en-tête en fait contient justement le nom et le type de la variable. Donc ça va être ici, dans ce cas-ci, ça va être des tableaux, donc ça va être des AV, heure et veilleuse. Donc en fait, l'en-tête par définition seront différentes, parce que dans un cas c'est A, dans le cas c'est B. Par contre, les corps, en fait, le corps de B, je pense que dans ce cas-ci, finalement, le corps de B va pointer vers le corps de A. Tandis que là, on aura un deuxième corps pour B. En termes sous-jacents, je pense que c'est ça. Je ne suis pas allé vérifier le code, mais je pense qu'en termes d'interne, ce sera ça. Donc ensuite, une chose un peu plus simple, c'est const, deux points const. Oui. Oui. La question, c'est est-ce qu'il faut qu'il ait le même nombre d'éléments à droite et à gauche, entre parenthèses? Oui. Parce que par définition, il va en fait... Là, on retrouve finalement l'opérateur de prise de référence sur une liste construite avec parenthèses, qui est classique en Perl. C'est pas nouveau, ça existe depuis Perl 5. C'est-à-dire que ici, l'opérateur parenthèse va distribuer l'opérateur référence sur tout ce qui est contenu dans sa liste. Donc il faut que, comme ici, il va prendre, ici il y a un élément, là il y a un élément. Si on met ici, si on rajoute un deuxième arrobas, enfin un deuxième tableau, il faut qu'il y ait un deuxième truc qui vienne derrière pour le remplir. Non mais là on crée $B. Là on crée arrobas B. On est en train de le créer. Là, donc le truc est là. Tout le principe de cette syntaxe, c'est de permettre de créer, si on en a besoin, des tableaux qui sont liés. Ou de les remplir de manière plus rapide. Donc, la suivante, c'est l'attribut de fonction anonyme, const. Alors attention, un point très important, c'est que ça ne marche que pour les fonctions anonymes. En fait, ce que ça fait, c'est assez bête, ça permet de remplacer instantanément le corps de la fonction par la valeur qui calcule la compilation. Et donc, alors, j'ai construit cet exemple qui est peut-être un tout petit peu artificiel, mais la doc ne donnait pas vraiment d'exemple. On pourrait imaginer si on avait besoin d'avoir dans un applicatif de générer des ports de manière un peu continue. On peut dire on part d'un port de base, on veut garder un peu une référence, imaginons que ce soit pour une API publique, on garde une référence pour dire quel est le premier port, et on a une fonction pour fournir de nouveaux ports. Donc on a quelque chose qui ressemble un peu à un constructeur comme Marc en avait montré ce matin. Donc ici par exemple, on veut 5 ports, on génère comme ça une série et on a toujours quelque chose qui nous garde la référence sur, enfin pas une référence, mais qui a gardé la valeur d'origine de port alors qu'on a une seule variable qui aura servi pour tout. Sauf que comme cette variable, on va la modifier. Si on avait fait classiquement une fonction qui se contentait de renvoyer porte, évidemment ça n'aurait pas fonctionné. Il va y avoir un truc que je vais montrer derrière qui fait que ça, en plus, ça ne fonctionnera clairement pas. Mais là, c'est pas méfiant de dire, on remplace la fonction, on crée une fonction qui s'appelle firstPort, qui aura comme valeur fixe la valeur d'origine de porte au moment de la création. C'est un exemple que j'ai construit pour essayer un peu d'illustrer cette fonctionnalité, bon, qui ne sera peut-être pas indispensable. C'est pour ça que je disais, cette version de Perl n'a pas des masses de fonctionnalités gigantesques. C'est plutôt des tas de petites nouveautés. Encore des petites choses. Voilà, FindNow fonctionne maintenant sur les descripteurs de répertoire, sur les systèmes qu'il supporte, parce que tous ne supportent pas forcément. Pour Windows, la forme list de open à 3 arguments pour un tube fonctionne. Avec les limitations habituelles du fait d'ouvrir, d'exécuter un processus externe sur Windows, où il y a beaucoup de limitations sur les arguments, etc. Encore quelques nouvelles fonctionnalités diverses. On peut assigner à une liste répétée. Alors, c'est un truc classique en Perl, si une fonction renvoie des tas de valeurs, et en fait on s'en fout de la moitié, ben, on met des undef, virgule undef, virgule undef. Maintenant on peut simplifier ça en faisant undef fois 2, 3, etc. Ça peut, je vois un Sylvain qui sourit de joie, mais oui, c'est vrai que ça peut un petit peu aider les choses.
On a oui, des choses assez comiques. On a une amélioration sur l'analyse de enfin, tout ce qui est le traitement des nombres flottants, avec aussi une meilleure gestion de tout ce qui est les valeurs spéciales qui sont not a number infinite. Et alors là, ça devient assez étonnant. Je ne sais, enfin, je pense que je n'utiliserai jamais ça, mais bon, c'est supporté quand même. On a des nombres hexadécimaux flottants. Voilà. Donc, par exemple, si vous, avec évidemment aussi un format à l'affichage dans printf, donc %A, ça permet d'afficher un nombre hexadécimal flottant. Donc, si on prend une formule très célèbre, on l'affiche comme ça et ça nous affiche 0x1.921FB5444 2D18. Et alors, dans le format, c'est obligatoire, il faut qu'il y ait P pour indiquer finalement la puissance et l'indice de supérieur, donc ici plus 1. Si vous ne l'avez pas reconnu, ça c'est pi, tout simplement. Alors, donc ça, ce que je vous disais, ce que j'avais un peu prévu tout à l'heure, en fait, avec les changements de local, maintenant, alors maintenant, oui, c'est les différents changements incompatibles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui rendent Perl légèrement incompatible avec la version précédente. Donc, $bang et sur les systèmes qui utilisent $E, contrairement à avant, et c'est vrai que ça pouvait être un peu gênant, maintenant, il sera toujours en anglais, sauf si on le demande avec use local, donc surtout use local message. Et maintenant, quand ils seront dans une langue, par exemple en français, les chaînes seront correctement, auront correctement le bit UTF-8 positionné pour qu'elles s'affichent de manière correcte. C'est vrai que jusqu'à présent, ça peut être un petit peu pas terrible. Un petit détail, c'est que les signatures de fonctions qui ont donc été ajoutées en 5.20 maintenant ont été déplacées avant les attributs. Il y a aussi des changements sur les prototypes, donc étoile, ampersand et anti-sèche ampersand. Je pense que si vous, à moins que vous utilisiez, ça ne vous intéressera pas trop. Si vous en servez, allez lire la documentation. De toute façon, ce serait trop compliqué à résumer là. Alors, un changement qui est très long, mais en fait, qui est, je crois que je me suis déjà confronté, trouvé confronté à ça, c'est que quand on a maintenant une liste, on a une liste et en fait, on essaie de tirer une tranche de cette liste, mais que ça tape sur des indices qui n'existaient pas. Maintenant, donc, ça ne renvoie vide que si les origines est vide et sinon ça va renvoyer autant de NDF que ce qu'on a demandé. Ça peut paraître comme ça très très abscon, mais c'est quelque chose qu'on peut assez facilement rencontrer quand on écrit du code. Quelques autres changements incompatibles. Alors beaucoup de dépréciations qui avaient été commencées dans des versions antérieures de Perl, dans certains cas très antérieures, et qui maintenant sont des erreurs fatales. Donc, si vous n'avez pas tenu compte des avertissements qu'il y a eu dans les versions précédentes, bah maintenant, paf, ça va mourir. Use universal, si on essaie d'importer quelque chose depuis universal, ce sera une erreur. Donc ça, c'était déconseillé depuis 5.12. Donc maintenant, c'est une erreur fatale. Si on essaie de faire un anti-slash n, donc c'est-à-dire pour invoquer un caractère Unicode par son nom, mais qu'on met une séquence d'espace, c'est-à-dire que normalement, le nom, il est avec une seule espace entre chaque mot. Si on essaie de mettre 2, 3, 4 espaces, ben maintenant, c'est une erreur fatale. Parce que de toute façon, ce n'est pas vraiment standard. Define de array et define de hash, donc ça, c'est déconseillé depuis 5.6.1 et ça génère des avertissements depuis 5.16. Ben maintenant, c'est fatal. L'utilisation d'un hash ou d'un tableau comme référence, bon, c'est sûr que c'est une écriture vraiment pas très correcte, ce qui est déconseillé depuis 5.8, c'est aussi une erreur fatale. Et visiblement, il y avait encore quelques endroits secrets où on pouvait écrire, on pouvait référencer un hash ou un tableau sans utiliser le sigil. Oui, c'est très surprenant. Je ne sais pas où c'est, je ne sais vraiment pas où sont ces endroits. Mais visiblement, ils existaient, donc c'est évidemment déconseillé depuis Perl 5.0. Et maintenant, c'est une erreur fatale. Je suppose que oui, comme tu dis, on les a trouvés. Encore quelques autres. Pattern, donc si on fait point d'interrogation pattern, alors si vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas de cette construction, c'est en fait une forme spéciale du M slash slash, sauf que M slash slash, c'est pour trouver plusieurs occurrences d'un motif. M point d'interrogation, c'est pour trouver une seule occurrence. On ne doit faire la recherche qu'une seule fois. Et en fait, ça a été déprécié donc en 5.14. Si on essaye de faire ça sans le M qui précède, maintenant c'est une erreur fatale. C'est-à-dire que si on garde M pour interrogation, ça c'est toujours valide. Le but étant de récupérer en fait beaucoup de ces
de ces dépréciations qui deviennent des erreurs fatales, c'est pour récupérer les caractères, les séquences, enfin les mécanismes, ça, pour créer ensuite de nouveaux éléments de syntaxe. En particulier, clairement, ce point d'interrogation, ce sera pour générer de la nouvelle syntaxe dans des versions futures. Anti-slash CX, donc anti-slash C, pour rappel, c'est pour créer un caractère de contrôle. X, maintenant, doit impérativement être un caractère imprimable. Séparer la parenthèse ouvrante de point d'interrogation de étoile dans l'expression singulière est une erreur fatale. Bon, à la limite, on va dire que c'est quelque part finalement une bonne écriture. C'était averti depuis 5-18, donc c'est assez récent. Hop. Oui, c'est tout. Oui. Alors, quelques suppressions du corps. Alors, ça fait un peu le lien par rapport à la présentation précédente. Et c'est un petit bout d'histoire de Perl qui s'en va. Puisque ceux qui connaissent un peu l'histoire de Perl savent que Perl 1.0, Larry Wall avait retardé la publication, on va dire vraiment le fait de rendre public Perl 1.0 avant que ces trois utilitaires soient écrits, débugués et prêts à être utilisés. A2P, S2P et Find2Perl sont maintenant retirés de Perl et sont mis sur le CPAN, avec à chaque fois ces app A2P. A2P, alors pour ceux qui ne connaissent pas, A2P, awk to Perl, permettait de transformer un programme awk en programme Perl. S2P, c'est sed to Perl, donc pour transformer un programme sed en Perl. Et find to Perl, c'est pour pas transformer un programme find, parce qu'il n'y a pas de programme find, mais c'est pour transformer une commande find en l'équivalent Perl avec le module file find. Et pareil, alors en particulier un module qui aura tellement fait couler, alors pas forcément d'encre, mais qui aura généré tellement de caractères de discussion en troll enflammé sur les internets, CGI, qui est retiré de la distribution principale de Perl, donc évidemment qui a toujours été sur le CPAN, mais maintenant il n'est plus inclus de base avec Perl. Module build qui avait été introduit durant Perl 5.10, qui n'a jamais trop finalement réussi à convaincre, et donc qui maintenant est retiré. Beaucoup de nouvelles dépréciations, on va voir quelques-unes. Alors, l'utilisation d'un caractère non imprimable comme nom d'une variable à un seul caractère va devenir. Alors, Perl a comme une grande tradition de variables à un caractère et utilisant des caractères un peu bizarres. Bon, et ça, en gros, c'est pour un peu contrôler ce genre de choses. L'utilisation de plusieurs flags slash x dans l'expression régulière, enfin à l'arrière, ça servait en fait pour réserver un futur slash xx, donc il fera comme slash x, mais à l'intérieur des classes. Donc pour rappel, slash x, c'est pour permettre de faire des espaces non significatifs dans l'expression régulière, donc de présenter proprement ces expressions régulières. Le problème, c'est qu'en fait, c'était soit les classes, soit le nouveau opérateur des groupes de classes. Actuellement, ne gère pas encore tout à fait ça, et donc ça sera pour le faire proprement. L'utilisation d'espaces insécables dans anti-slash n, c'est logique, parce que ça ressemble, et finalement, c'est plus en fait une aide pour, au cas où quelqu'un mettrait par erreur une espace insécable, au lieu d'une espace normale. L'espace insécable, c'est le no break space, qui est forcément est indifférenciable d'un espace normal, autrement qu'en regardant l'exa. Et alors ça, de toute façon, ça avait déjà été averti avant, une accolade littérale doit maintenant être protégée dans l'expression régulière. Quelques autres, alors voilà, ça fait un peu le pendant de l'attribut const. Cette forme sub parenthèse et accolade une valeur, c'est une des mécaniques pour construire des constantes. Le truc, c'est qu'en fait maintenant Perl va quand à l'intérieur ici ce ne sont que des valeurs constantes qui peuvent être calculées à la compilation, ça pose aucun problème. Donc typiquement quand vous avez des valeurs numériques ou quand vous avez des fonctions, comme tout à l'heure j'ai fait avec 4 fois attange de 1-1, ce sont des choses que Perl peut calculer dès la compilation, donc c'est déjà optimisé à la compilation. Sauf que si on a une variable, c'est problématique, parce qu'en fait, ça va construire une constante, mais sauf que elle est variable, donc elle pourrait changer. Donc en fait, ce que fait Perl maintenant, c'est que il va essayer de détecter si la variable va ou pas être changée. Si la variable, il voit qu'elle n'est pas changée,
comme dans ce cas-ci. Donc on crée la, finalement la, cette genre de constante juste après la création et l'affectation de cette variable, il va le permettre et ça ne posera pas de problème. Si par contre, il voit qu'en fait, on s'est pas au même endroit, à ce moment, il va émettre un avertissement pour dire eh, là, ça, vous faites un truc qui probablement n'est pas ce que vous voulez faire. Donc voilà, ça maintenant, ça va être déprécié. Quelques optimisations aussi. Pareil, ce n'est que celles qui alignent sont vraiment les plus parlantes. Les méthodes, en fait, sont. Enfin, il y a toute une phase d'analyse qui est faite à la compilation pour détecter un peu tous les noms de méthodes ou les fonctions, faire un peu des hashes qui vont servir à faire du cache. Sauf à ma part, je crois que ça vient d'une inspiration de Ruby. Et en gros, pour accélérer l'exécution des méthodes lorsque le programme tourne. D'ailleurs, les recherches dans les hashes et les tableaux sont plus rapides quand les clés sont des constantes. C'est un truc qui est un peu lié. Encore toujours des optimisations. Donc, si maintenant on a l'opérateur de multiplication de listes qui est à 0, ça va supprimer complètement, mais dès la compilation, les valeurs qu'il y a, seulement si ce sont des constantes ou un scalaire, et par contre pas si c'est une fonction. La fonction lens qui est plus rapide sur les chaînes qui ne sont ni magiques ou qui ne sont pas utilisées à fuite, c'est toujours un petit bonus. Pardon ? Bon. Un truc assez sympathique, quand maintenant on fait un split et qu'on stocke ça dans un tableau, split, au lieu en fait de finalement de créer des valeurs intermédiaires qui ensuite sont recoupées dans le tableau, va directement aller écrire dans le tableau. Une optimisation de join, bon, pareil, quand il n'a que des valeurs constantes qui lui sont passées en Perl va le détecter et il va directement remplacer ça par la chaîne dès la compilation. Et alors j'espère que j'ai bien compris parce que c'est pas très très clair. Les fonctions ne sont plus nécessairement stockées dans, comme des tailles globes, donc en fait je pense dans les dans toutes les tables de symboles classiques de Perl. Si j'ai bien compris en fait, ce truc là ça veut dire que ça correspond à un peu au truc qu'on a vu tout à l'heure, c'est que maintenant ça permet un peu de gagner de la place en mémoire. Tout ce qui existait avant continue de fonctionner sans aucun souci, parce qu'en fait les tailles globes si besoin est seront créées dynamiquement. Mais en gros, si vous avez déjà manipulé les tables de symboles quand on fait des trucs du genre main de point de point et qu'on va aller fouiller des trucs là-dedans, au lieu de stocker des type globes qui sont donc des structures un peu grosses, ça ne va stocker qu'une référence à la fonction et si besoin est, si on accède au type globe, il va le créer dynamiquement. Bon, voilà, on va terminer comme d'habitude avec les plateformes. Qui sont pas supportés. Alors, il y a de nouvelles plateformes qui sont revenues à la vie avec IRIX-64 parce que des gens ont un peu pu travailler dessus. ZOS en mode EBCDIC qui est cette espèce de truc de jeu de caractères extrêmement bizarre et particulier et qui n'existe que dans le monde IBM. Et bah, il y a des vieux systèmes antédiluviens. Je ne dirais peut-être pas qui date d'avant l'essence de certaines personnes ici dont le support est arrêté, donc ça comporte aussi bien Next, Amiga, DJPP, Netware, OS2, Plant9. Voilà, bon, toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est peut-être pas forcément des choses qu'on voit encore actives de nos jours. Voilà, est-ce que vous avez encore des questions ? Sinon, oui. Alors, si vous avez des questions, peut-être prenez un micro. Moi, j'ai une question sur l'introduction de subtilités syntaxiques nouvelles comme celle sur le ref aliasing. Quelle est la motivation des gens qui ont consacré du temps, j'imagine, non négligeable à apporter encore plus de subtilités syntaxiques ? Réponse simple, je ne sais pas. Voilà, et honnête. Réponse plus élaborée, très certainement parce que ça correspond à des besoins de certaines personnes. Il y a on va pas dire forcément une polémique, mais il y a on va dire quelque chose qui dont on parle régulièrement en ce moment dans la communauté Perl, qui est de dire que finalement Booking qui est
la boîte qui actuellement finance le plus Perl, dans certains cas, pour certains, il y a la tendance un peu à certains développeurs ont tendance un petit peu à pousser des fonctionnalités qui peuvent leur servir. Mais finalement, ce sont des optimisations qui servent aussi à beaucoup de monde. Après, voilà, c'est pas forcément ça, ça peut être d'autres choses. Je pense assez sincèrement que ces fonctionnalités, s'il y a une utilité ajoutée, c'est que ça servait à des personnes. Je te dirais, si on prend l'exemple de Booking, c'est que bah, ce sont des gens, c'est une énorme boîte qui a presque tout qui est fait en Perl, donc on peut se douter qu'ils doivent avoir énormément de besoins très différents, et que donc chaque optimisation, c'est toujours bon à prendre. Donc, je suis parfaitement d'accord que, vu comme ça, ça peut être assez abscon, ça peut vraiment faire des choses de très haute volée, mais dans certains cas, on peut vraiment voir aussi à quoi ça peut servir. Pour d'autres, je suis d'accord que ce n'est pas forcément évident. Si on revient sur un ajout de syntaxe en terre qui était le déréférencement post-fixé, c'est plus quelque chose finalement, qui datait d'une vieille demande, c'est-à-dire pour les fonctions, par exemple, tu peux faire flèche, parenthèse, parenthèse, pour exécuter un code ref. Tu n'as jamais eu d'équivalent pour faire pareil avec les tableaux, enfin, jusqu'à cette fois nouvelle ajout de syntaxe, tu n'as pas l'équivalent pour faire pareil pour les tableaux ou les haches. C'est pour ça qu'on dit, ben, on va faire pareil. Une espèce de question à la fois d'orthogonalité de dire, ben, on voudrait faire ça. Aussi, parce que c'est vrai que la syntaxe avec, tu mets genre, arrobas, accolade, ta ref, accolade, et pas forcément joyeuse non plus. Bon, ça, après, c'est les références en Perl qui sont globalement pas forcément géniales. D'autres questions ? Si, tu en as une ? Vas-y. Ouais, en gros, tu suis. Qu'est-ce qu'ils vont encore rajouter comme crapulerie syntaxique dans les prochaines. Je vais être là encore honnête, j'ai vraiment pas trop lu P5P récemment. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas P5P, à savoir Perl 5 Porter, c'est la liste des développeurs, des mainteneurs du corps de Perl. Je n'ai pas lu P5P récemment. Je pense que de toute façon, beaucoup des fonctionnalités déjà sont marquées comme étant expérimentales. Donc certaines, elles vont amener à évoluer. Certaines peuvent disparaître, comme tu le dis. Il peut y avoir ça, tout simplement. Par exemple, je pense que les signatures de fonctions, à mon avis, vont rester. D'autres pourraient éventuellement disparaître. Honnêtement, là, je n'ai pas suivi récemment les discussions, donc je n'ai pas vu quelles vont être les prochaines choses qui vont arriver. Mais on peut déjà voir que, ce que je vous disais tout à l'heure justement, c'est que plusieurs des dépréciations des syntaxes qui sont rendues fatales maintenant, ça sert en fait à réserver d'ici, alors probablement pas en 5.24, mais en 5.26, le fait de pouvoir ajouter de nouvelles syntaxes. Alors lesquelles encore, je ne saurais pas te dire. Je crois que j'ai peut-être très rapidement vu des trucs, mais franchement, là, je m'en souviens pas. Donc, il y aura encore, oui, des nouveaux ajouts de syntaxe. D'un côté, c'est ce qui rend aussi le langage vivant. Il y a cette célèbre signature, il y a en biologie ce mot pour dire stable, c'est mort. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie.